Plus fluide, plus simple et entièrement gratuit. Depuis ce matin, plus besoin de payer pour prendre le bus dans l'aglo niortaise. Mais voilà, pour les usagers, la gratuité, c'est bien. Le problème, c'est qu'elle arrive avec un nouveau réseau de transport moins dense. 5 lignes sur 12 ont été supprimées début juillet. Il y a une diminution au niveau des lignes. Moi, je prends la ligne déchirée, donc il y a une petite différence. Mais non, j'ai plus qu'un seul bus le soir, au lieu d'en avoir trois. Pour rentrer, donc ça limite au niveau du transport. J'ai une coupure entre midi et deux heures et je suis maintenant contrainte à prendre ma voiture si je veux pouvoir aller travailler. Pourquoi ? Le pourquoi ? Parce que le bus qui normalement passe devant chez moi comme d'habitude, il ne passe qu'une fois l'heure. Le maire centriste de Niort s'attendait un peu à ces critiques, mais pour lui, il n'y a rien de grave. Le réseau sera complété par des vélos et un service de covoiturage à partir du mois d'octobre et des changements sont encore possibles. Toutes les lignes structurantes ont été renforcées. La ligne 1, par exemple, c'est tous les quarts d'heure. Donc il y a aussi du plus dans ce réseau, mais je comprends bien qu'il y ait besoin d'ajustements. Encore une fois, un réseau, ça vit, et ce réseau-là, il vivra et il sera perfectionné au fil du temps. Autre grogne, celle des représentants des salariés. Ils craignent que la gratuité se fasse sur leur dos. Ils dénoncent un gel des salaires et des pertes de postes. Depuis 2 ans, vous avez un peu plus de 10 postes qui n'ont pas été remplacés. Donc il y a eu des départs en retraite, des départs volontaires, mais ces départs ne sont pas remplacés. Donc quand même des suppressions de postes. Bon, demain, on se dit, les autres départs qui sont prévus, s'ils ne sont pas remplacés, où va-t-on aller ? Nous, c'est notre inquiétude. Les syndicats laissent un mois à l'opérateur Transdev et au maire de Niort pour leur donner des réponses, et notamment une : comment compenser les 2 millions d'euros que rapportait la vente de titres de transport ?